Bienvenue sur Chanel, un bonjour nouvelle. Nouvelle la caille, nouvelle de tous côtés. Non pas fait nouvelle, sinon nous bail nouvelle. Jean ça y est. Avant de commencer vidéo, bonjour nouvelle. Nouvelle Paula. Chanel, bonjour nouvelle. Invitez toutes fanatiques Clio pour visiter Chanel Isman Jean avec un acteur Sophia. Et Honor Relisa, Jean Chanel qui est en pile d'engrais ou pas qu'à Paris. Waouh! Gardons Chanel, papa! N'a pas quitté le lien pour la description vidéo. Hein? Nous souhaitons regarder Chanel ça. Visitez-le et abonnez-vous à elle. C'est Chanel tout haïtien. Merci pour tout le monde qui est abonné avec Chanel là et merci aux mêmes qui doivent faire ça pour nous. Nous saluons tous les abonnés. Nous. Mais information nous côté sur nouvelle, sur bonjour nouvelle pour aujourd'hui. Hein. Pendant le directeur général de l'immigration a travaillé sur la question de déportation pour Haïtiens illégaux dans la République dominicaine. J'en ai noté dit là, il fait plusieurs déclarations. Les mêmes révéler la sans pitié dans la déportation ça après 5 mois posé au fait par rapport avec l'épidémie coronavirus. Yo continuer à travailler, mettre en œuvre tout un agent immigration, tout un moyen de transport pour yo capable mettre et tout haïtien illégal yo dehors nan pays ya. Nous dit bien haïtien illégal, ça veut dire que haïtien qui pa gen papier légal nan pays ya. Et bien c'est comme ça ou va louer nan vidéo que nous va présenter là comment haïtien continuer à rentrer nan pays ya nan moment que n'a parlé avant là illégal côté qui a traversé nan boyau nan frontière yo pour rentrer nan pays ya. Yon image qui pas bon du tout pour pays d'Haïti, au moins yon image qui pas bon pour haïtien qui vivent en République dominicaine. Nous constaté comment haïtien sa yo tap tire roche sur police au moins garde dominicain yo, peut-être qui tap empêché yo traverser pour entrer dans le pays sans papier. C'était un gros détail, une image peut-être qui était mal avec les Dominicains. Pendant que les Dominicains dans Santiago a fait manifestation pour déporter les Haïtiens qui sont dans la ville de Yoa. Pas oublier, gros incident qui s'est passé avec les Haïtiens qui étaient arrivés à tuer un avocat dans Mao. Et au moins, yon grand planteur banane, ça a été fait un pile bruit qui te mette l'autre haïtien dans une pile difficulté. Eh bien, yon arrivé à arrêter yon parmi haïtien sa yo. Yon gagne nan men la police pour le moment. Pas oublier gros incident qui passé dans et Balaona, côté haïtien yo. Et t'as arrivé tirer roche à coup de bâton sur la police et yo t'es même arrivé à demander secours avec monsieur président Luis Abinader concernant et persécution qui rejoigne dans main la police avec immigration et yo même fait déclaration ni ça qui légal ça veut dire qui gagne canet et immigration pas exempté en bas persécution dans Balaona. N'a demandé pour monsieur et responsable et gouvernement haïtien yo jeter un gros regard sur et mode de vie au moins de persécution que haïtien sa yo a subi soit dans Mao ou dans Balaona. N'a pas assuré non que le gouvernement haïtien et monsieur le président Jovenel Moïse a commencé en préparation. D'après moi-même, l'État doué en préparation comment il va recevoir les haïtiens qui viennent pour rentrer sur le territoire qui sont sortis en République dominicaine.
C'est sous toute information que nous avons portée pour vous aujourd'hui, sous Chanel là. Pas oublier si vous avez besoin de faire publicité pour Chanel ou publicité pour business ou non. On va écrire nous sous et contact en promotion et puis nous va dire comment nous sommes capables d'aider vous. Ou sous Chanel Bonjour Nouvelle, Chanel Paula. Partagez vidéo à pour nous et haïtiens qui ont gagné pour rentrer en République dominicaine. S'il vous plaît, n'a pas de faire un pile attention et avec Guadio en Babouayo, s'il vous plaît, faites un pile attention, pas rentrer dans le problème pour nous arriver à Brioche parce que vous avez fait nous plus habits chaque jour dans la GA. Faites un pile précaution ou même qui en Haïti qui attend des nouvelles là. Et non pas conseillé prendre route là illégale pour rentrer en République dominicaine parce que moment ça c'est moment pays a les pas douce du tout pour haïtien qui illégal yo j'en entendais peuple Santiago Abdil yo dormi dans la rue yo pipi dans la rue yo fait tout bagaille dans la rue c'est une l'aide liée si vous pas gagne un côté pour recevoir rester la caille. Mes amis, préparez pour nous rentrer dans le pays légal. Nous saluons, nous encourageons, même si vous ne comprenez pas, parce que les haïtiens ne peuvent pas comprendre l'information. Ils jouent nous, ils disent nos gros mots, mais nous continuons à avoir des informations pour être capables de protéger la vie et la dignité. Ou sous Chanel, bonjour nouvelle, Chanel Paula.